Salut tout le monde, c'est Arnaud et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur l'iPad Air 4 après quelques jours d'utilisation. Allez, c'est parti! Donc, ça fait quelques jours que j'utilise cet iPad Air 4 au quotidien et on va commencer à parler de l'écran parce que c'est quand même une des choses qui change le plus. On est là sur un écran de 10,9 pouces, donc c'est à peine 0,1 pouce de moins que l'iPad Pro 11 pouces. Et la différence qui se sentira le plus sur cet écran, ça sera le fait qu'il n'est pas équipé de la technologie ProMotion, qui rend un peu tout un peu beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus agréable à utiliser. Mais c'est quelque chose que vous sentirez si vous venez d'un iPad Pro ou d'un smartphone qui a déjà un écran 120 Hz par exemple, mais si vous venez de n'importe quel autre iPad, et ben vous le sentirez pas du tout en fait. Ce que je ressens déjà un peu plus, c'est quand même les bords de l'écran qui sont quand même un peu plus épais que ceux des iPad Pro. Je pensais que ça se verrait pas honnêtement, mais ça se voit quand même un petit peu. C'est pas dérangeant, mais c'est quelque chose que vous remarquerez, je pense, si vous avez déjà vu un iPad Pro par exemple. Ça vient du fait que cet iPad Air, il a exactement les mêmes dimensions que l'iPad Pro 11 pouces et ça lui permet d'utiliser exactement les mêmes accessoires, donc le Magic Keyboard, les Smart Folio, ce genre de choses. C'est vraiment pratique, même si on peut du coup se demander pourquoi avoir réduit aussi peu la taille de l'écran. Je pense que c'est plutôt quelque chose de marketing pour qu'on sente qu'il y ait quand même une plus grosse différence que ce qu'il y a réellement. À part ça, franchement, je ressens vraiment aucune différence, à part peut-être l'écran qui est peut-être un poil moins lumineux que l'iPad Pro, en tout cas c'est ce qui est marqué officiellement, mais vu qu'on peut pas sortir, je peux pas aller tester ça par exemple au soleil. Mais ce qu'on retrouve au-dessus de l'écran, et ce qui est pour moi la plus grosse différence avec l'iPad Pro, c'est la présence d'un capteur Touch ID justement sur le bouton Power. Ça je pensais que ça serait assez dérangeant, mais honnêtement, ça passe. Juste la seule chose, c'est que c'est pas encore totalement naturel pour moi de devoir poser mon doigt sur le capteur et de devoir attendre que l'iPad reconnaisse l'empreinte, puis ensuite attendre qu'il reconnaisse que vous vouliez bien accéder à l'écran d'accueil et pas juste lire les notifications. Moi, je suis quand même vachement habitué depuis l'iPhone X qui est sorti il y a maintenant 3 ans quand même, à devoir faire un swipe up pour accéder directement à l'écran d'accueil. Là, ça demande un peu de temps d'adaptation et j'y suis pas encore totalement habitué, mais je pense que c'est quelque chose qui posera pas de problème dans quelques semaines. D'ailleurs, il suffit pas juste de poser son doigt une fraction de seconde pour pouvoir le déverrouiller, il faut vraiment le laisser une bonne seconde sur le bouton pour qu'il puisse accéder directement à l'écran d'accueil. Je pensais que ça serait quelque chose qui serait un peu pénible à force, mais au final, c'est quelque chose qui est quand même vraiment bien foutu et c'est assez pratique parce que ça permet quand même de pouvoir voir si on veut voir les notifications avant d'accéder directement à l'écran d'accueil. En fait, Touch ID reconnaîtra l'empreinte bien plus rapidement ce que vous pensez et vous permettra du coup de déverrouiller l'accès aux notifications. Et si vous voulez encore directement bypasser l'écran verrouillé, vous laissez juste le doigt appuyé et ça accède directement à l'écran d'accueil. Honnêtement, je pensais que ça serait pénible, mais c'est assez bien foutu. Et puis au final, je pensais que ça serait assez pénible cette absence de Face ID, mais au final, je pense que c'est un compromis totalement acceptable en fait pour pouvoir faire baisser le prix de cet iPad Air, même s'il reste quand même très élevé, attention. Et puis au final, c'est quand même quelque chose auquel je me suis assez bien habitué. Et franchement, j'espérerais quand même que ça arrive sur l'iPhone l'année prochaine parce que là, ça sera pratique quand même si vous voulez devoir utiliser cet iPad dans une situation où vous devez porter un masque comme en amphi par exemple. Mais c'est quand même beaucoup moins souvent que sur un iPhone qu'on utilise dans les transports, dans la rue, un peu partout quoi en fait. Alors qu'un iPad, c'est quand même généralement plus dans une situation où on est à la maison, on est sur le canapé, ce genre de choses. Ensuite, au niveau des haut-parleurs, en fait, on n'en a que 2 sur cet iPad Air, contrairement à 4 sur l'iPad Pro. Mais on a quand même 4 grilles qui sont de chaque côté de l'iPad. Et c'est quand même quelque chose qu'on pourrait se dire, c'est juste quelque chose de cosmétique pour que ça ait l'air plus uniforme. Mais en fait, c'est assez pratique parce que vu que ça fait des entrées d'air de tous les côtés, ça permet que si vous tenez votre iPad, par exemple, en paysage et que vous bloquez 2 des 4 sorties d'haut-parleurs, ça permettra quand même au son de pouvoir sortir et du coup ça fera pas l'effet du son totalement bloqué par la main, il pourra quand même sortir par un des côtés. Au niveau de la qualité du son, il est bon franchement, il n'y a rien à dire dessus, il n'est pas au niveau de celui d'un iPad Pro ou celui des MacBook Pro par exemple, mais ça reste totalement acceptable et de toute façon si vous voulez regarder quelque chose d'un peu plus long qu'une vidéo YouTube, je pense que vous allez mettre des écouteurs honnêtement. Au niveau de la puce, on est en fait tout simplement sur la même puce A14 qu'il y a sur les iPhone 12. Pas les iPhone 12 Pro parce que c'est les seuls à avoir 6Go de RAM. Et puis honnêtement, c'est juste un monstre de puissance tout simplement. Elle encaissera sans problème tout ce que vous pouvez faire avec, comme l'utilisation quotidienne, prendre des notes, aller sur Facebook, Twitter, ce genre de choses. Jusqu'à l'utilisation un peu plus intensive, comme faire du montage vidéo ou de la retouche photo, il n'y aura aucun problème là-dessus. Et elle apporte surtout une énorme marge de manœuvre pour pouvoir encaisser les prochaines mises à jour d'iOS pendant 4, 3,
4, 5 ans, voire même plus encore, parce que les gens gardent des iPads pendant vraiment une éternité. Après, malheureusement, j'ai pas une utilisation assez intensive de l'iPad pour pouvoir vous illustrer tout ça. Au niveau de l'appareil photo, bah, vous pouvez voir qu'on a qu'un seul capteur grand angle, contrairement à un ultra grand angle en plus et un capteur LiDAR sur les iPad Pro. Mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui passe très loin au-dessus de la tête de 90% des gens. Et puis du coup, bah, qu'est-ce qui reste à l'iPad Pro 11 pouces par rapport à cet iPad Air 4? Et bah pas tant de choses honnêtement. La plus grosse différence, ça sera un écran un poil plus grand et surtout de meilleure qualité avec ProMotion. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui se sentira énormément si vous l'avez pas. Par contre, quand vous l'avez, vous remarquerez quand même que l'interface deviendra tout de suite beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à utiliser. Et puis du coup, l'iPad pourra adapter sa fréquence de rafraîchissement entre les différentes utilisations que vous pouvez en faire. Par exemple, il variera entre 24, 48, 60 et 120 pour pouvoir adapter à ce que vous pouvez faire. Par exemple, 24 c'est idéal pour regarder un film. 120 par contre, ça sera utilisé quand vous ferez du défilement, que vous utiliserez l'Apple Pencil, ce genre de choses. D'ailleurs, l'autonomie, j'en ai pas encore parlé pour l'instant, mais c'est parce que c'est exactement la même chose que littéralement tous les autres iPads qui sont sortis depuis 2010. Cet iPad, en fait, il tient 10 heures. C'est quelque chose qui variera forcément selon l'utilisation que vous en faites, mais comptez, je dirais, une ou deux journées d'autonomie en utilisation classique. Mais cet iPad Air 4, bah, il est quand même vraiment pas donné parce qu'il commence à 669 € pour du 64Go, et surtout si vous voulez prendre du stockage supplémentaire, ce qui est quand même vachement possible parce que 64Go, c'est pas énorme, et bah, vous devez passer pour du 256Go à 639 €. Et là, vous arrivez à 60 € de moins que l'iPad Pro 11 pouces, 128Go. Et là, si 128Go peut vous suffire, je vous recommande quand même vraiment de le prendre. Je pense que cet iPad Air 4, il est franchement, je dirais, 100 € trop cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de l'iPad Air 4 dans les commentaires et si vous le choisiriez plutôt qu'un iPad Pro. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!